Dolores Van Cartier, ce personnage iconique qui a en partie révélé Whoopi Goldberg au grand public, a trouvé en partie son inspiration. D'ailleurs, un petit détail se glisse dans le film qui prête à confusion. Redneck est vexé de ne plus reconnaître son histoire et exige que son nom soit modifié dans le générique. Sister Act, c'est le film old school par excellence qui nous rappelle tous ces vieux clichés de cinéma américain qui ont bercé notre enfance, adolescence, voire même l'âge adulte. C'est l'histoire de Dolores, chanteuse dans un casino de Las Vegas qui entretient une relation privilégiée avec le patron du dit casino. Un jour, elle assiste sans le vouloir à la mise à mort d'un homme par son cher et tendre. Dolores passe soudainement alors de la maîtresse adorée à la femme à abattre. Afin de la protéger, la police décide de la cacher dans un couvent, un endroit où il y a clairement très peu de chances qu'on l'y trouve. Un film familial américain comme on les aime, plein de péripéties, très peu de réalisme et beaucoup d'humour. Mary Clarence, are you with us? Avec une fin? Non, quand même, je vais pas vous gâcher ce plaisir. Dolores Van Cartier, ce personnage iconique qui a en partie révélé Whoopi Goldberg au grand public, a trouvé en partie son inspiration en Dolores Hart, ancienne actrice et chanteuse américaine, qui a joué notamment avec Elvis Presley. See what I mean? Here, I'll show you. Qui a quitté Hollywood en plein apogée de sa carrière pour rentrer au couvent. Ressentant une connexion profonde avec Dieu, Dolores Hart a en effet décidé à l'âge de 24 ans de quitter strass et paillettes et de devenir bonne sœur. Elle partira s'exiler à l'abbaye de Regina Lodis de Bethléem dans le Connecticut où elle devient mère Dolores Hart et ne retournera à Hollywood que près d'une quarantaine d'années plus tard. Aujourd'hui, elle est la seule religieuse connue à être membre des votants de l'Académie des Arts et de la Science du Cinéma, autrement dit, de la cérémonie des Oscars. Intrigué par cette histoire, Paul Rudnick, l'un des scénaristes du film, tentera d'aller lui rendre visite au couvent afin d'en connaître un peu plus sur le personnage et sa décision. Mais en vain, puisque malgré ses tentatives, Rudnick n'aura l'occasion de parler du catholicisme et de la vie en couvent qu'avec l'une ou l'autre des sœurs présentes dans l'abbaye, Dolores souhaitant rester discrète de son côté. Et cette initiative lui sera soufflée par Bette Midler, actrice pressentie pour le rôle au départ puisque déjà sous contrat avec Disney. Mais l'actrice finira par le refuser ce rôle pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, elle trouve que la période de production est beaucoup trop longue et compliquée à mettre en place. En effet, Disney connaît quelques problèmes de scénario dont on va parler juste après. Dans un second temps, elle n'est pas certaine que son public souhaite la voir habillée en religieuse. De ce fait, elle déclinera l'offre, mais avouera plus tard en voyant le succès que rencontre Whoopi Goldberg avec ce rôle que peut-être oui effectivement elle a fait une erreur. Face au refus de l'actrice, la production commence à envisager d'autres personnes, dont Whoopi, qui acceptera le rôle à une seule et unique condition. Originellement prénommée Terry Van Cartier, elle souhaite que son personnage soit renommé Dolores Van Cartier, un prénom que Whoopi Goldberg a toujours voulu porter dans un film. D'ailleurs, un petit détail se glisse dans le film qui prête à confusion. Au début du film, lorsque l'on rencontre Dolores à l'école, sa prof l'appelle Dolores Wilson. Dolores Wilson, you are the most unruly, disobedient girl in this school. Plus tard dans le film, Dolores est appelée Dolores Van Cartier. How do you do? I'm Dolores Van Cartier. Listen, this guy was a simple limo driver, right? Est-ce un nom de scène? Mais rien n'est moins sûr, puisque lors de son arrivée dans le couvent, elle confirme que Dolores Van Cartier est son véritable nom. What is your name? Dolores Van Cartier. Is that your real name? Yes. Kezako. Une autre personne fut également figure d'inspiration, Mary Hart.
aucun rapport avec Dolores Hart. Mary Hart fut la source d'inspiration de Katie Najimy pour son personnage dans Sister Act. En effet, l'actrice, ne sachant pas comment rendre véritablement son personnage drôle et attachant, fut séduite par la présence de cette animatrice. Inspirée de films sages tels que La Mélodie du Bonheur, La Nonne qui chante ou encore Le Chant de Bernadette, jugée bien trop gentille aux yeux du scénariste Paul Rudnick, celui-ci souhaite écrire un film satirique de ce monde beaucoup trop sage. Et pourquoi pas faire un film dont justement le personnage principal serait tout sauf sage et subirait le choc de deux univers, le rock'n'roll contre celui qui est bien rangé, ou autrement dit, la pop contre le pape. Mais cette fois-ci, ce serait la pop qui gagnerait. Mais Rudnick ne veut pas faire un personnage rock'n'roll mais gentil quand même. Non, l'idée c'est de partir dans deux extrêmes. Le racolage contre le catholicisme. Très emballé par cette idée, il commence à écrire avec Disney à la production. Mais vous vous en doutez, même si Disney s'est déjà mouillé dans ce thème-là, il faut que ça reste joli, acceptable, diffusable. Par conséquent, il demande à Rudnick de changer quelques petits trucs niveau scénario, un poil trop provocateur à leur goût. Une initiative que le scénariste n'apprécie que très peu et qui lui fera claquer la porte. Il ne veut pas écrire un scénario mignon sous forme de happy end, il veut de la débauche, de la vraie. Disney se tourne donc vers les scénaristes Robert Helling et Nancy Meyers et leur donne 2 semaines pour rendre l'histoire plus familiale. Viennent également en renfort Eleanor Brockstein, scénariste du célèbre Dirty Dancing, et Jim Cash, scénariste de Top Gun. Enfin, une fois arrivé dans l'aventure, Whoopi Goldberg demande à son amie Carrie Fisher, la célèbre Carrie Fisher, de revoir le scénario et ses répliques. En effet, Carrie Fisher est considérée comme script doctor, autrement dit le docteur du scénario, c'est-à-dire celle qui aide le scénario à être au meilleur de lui-même. Après avoir lu la nouvelle version du scénario, Rudnick est vexé de ne plus reconnaître son histoire et exige que son nom soit modifié dans le générique. Il souhaite à présent apparaître sous le nom R. Chasuble ou encore Goofy, afin d'être certain de ne pas être reconnu. Mais Disney refuse cette proposition. Hors de question qu'apparaisse le nom Goofy au générique. Énervé, Rudnick exige alors que son nom soit retiré définitivement du générique. Une demande difficilement acceptable pour Disney, qui a besoin d'un nom de scénariste au générique. Et puis bon, même si le scénario a beaucoup changé, le scénario c'est quand même lui qui l'a écrit à la base. Finalement, Rudnick et Disney trouvent un accord et Rudnick apparaîtra sous le pseudonyme de Joseph Howe. Word. Vous l'aurez compris, Disney a vécu quelques petites péripéties pendant cette pré-production et a connu également quelques désaccords avec son actrice principale, Whoopi Goldberg, qui a carrément refusé d'assurer la promo du film tellement excédée par ses tensions avec la production. Celle-ci reprochait à Disney d'avoir entamé le tournage du film avec un scénario pas fini, à tel point que l'équipe, en plein tournage, se retrouve face à des scènes qui ne semblent même pas encore écrites, ou à peine. Ce qui oblige l'équipe à mettre la pression à Disney pour qu'elle soit définitivement écrite, ces scènes. Bref, de quoi faire monter les tensions entre la prod et son actrice principale. Afin de pouvoir renouveler tout de même l'aventure avec elle, la prod décide de lui proposer un salaire de 7 millions de dollars pour le second opus, faisant de l'actrice la mieux payée à cette époque-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cinéma, souvent, on transforme le vrai pour le rendre plus adapté à la demande fictionnelle. L'église Saint-Paul utilisée dans le film est située dans un quartier précaire dans le film. Alors qu'en réalité, l'église est plutôt située dans un quartier tranquille de la classe moyenne, voire huppée. Afin de faire correspondre les décors aux besoins du film, l'équipe de décoration transformera les façades des bâtiments autour d'eux pour leur donner un aspect plus ghetto. Les bureaux de police ne sont pas non plus de véritables locaux de police de la ville, mais bien le bureau de poste de celle-ci, les vrais locaux n'étant pas jugés assez bien pour les utiliser. Les voitures de police sont quant à elles tout à fait véridiques, mais sont conduites par des gardes de sécurité et non des policiers. Pour terminer dans la lignée du « c'est pas du vrai », parlons de la comédienne Wendy McKenna qui joue le rôle de la sœur Marie Robert dans le film. La sœur très timide qui, après un petit cours de chant avec Dolores, déploie une voix absolument incroyable.
call that an A with an attitude. Eh bien, vous en serez étonné, ce n'est pas la sienne, mais bien celle de la chanteuse Andrea Robinson. Calvary had all but been fulfilled. Whoopi Goldberg chante véritablement dans le film. Quand le casting est parti tourner dans le casino de Reno dans le Nevada, ceci a donné lieu à quelques petits moments de vie drôles. Pendant les pauses, les actrices partaient donc dans leurs véritables vêtements de scène, c'est-à-dire en bonne sœur, et allaient tranquillement jouer au casino, une cigarette au bec et un verre d'alcool devant elles. Inutile de vous dire que ça en a surpris plus d'un. Katie défie sa collègue de faire semblant de regarder un film pornographique tandis qu'arriverait le room service dans leur chambre et de garder par-dessus tout son sérieux devant lui. Un pari que Wendy relève avec plaisir. Mais à peine le serveur est-il arrivé dans la chambre que Wendy explose de rire en pensant au ridicule de cette situation et surtout de l'état d'esprit du serveur en voyant ça. Et c'est ainsi que Wendy perd 100$ d'un pari au profit de Katie. Sister Act remporte un succès retentissant, faisant du film celui faisant le plus de recettes dans les années 90-90 et engendrant 231,6 millions de dollars pour un budget initial de 31 millions de dollars à la base. Un film qui connaît en partie son succès grâce à sa musique, dont l'album atteindra la 40e place du Billboard Top 200 Album Chart pendant 54 semaines et recevra même la certification d'or de la RIAA, Recording Industry Association of America. C'est ici que je vous quitte, j'espère que cette vidéo tant attendue vous a plu, je vous retrouve tout de suite pour le vote. N'oubliez pas d'aller voter dans l'onglet communauté de la chaîne, de peur que votre vote ne soit pas pris en compte. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien d'ici là, allez couper. Cette semaine, je vous propose un petit peu d'exotisme et de partir plutôt du côté des dessins animés. Vous aurez le choix pour le prochain vote entre Toy Story 1 et Shrek. N'oubliez pas d'aller répondre au vote dans le sondage qui se trouve dans l'onglet communauté de la chaîne. À vous de jouer !